Everybody be cool. You be cool. Hop. Bonsoir à tous. Allô, coucou. J'espère que l'on m'entend. J'opère le dernier test. Allô, allô, oui. Bonsoir, bon bah c'est fantastique, on m'entend. Peut-être baisser un peu le son du jeu au cas où. Hop. Et je monte un peu ma voix. Bon, en tout cas, je suis content qu'on puisse m'entendre. Je suis content qu'on puisse entendre la musique, même si elle n'est pas au goût de tout le monde. Donc ce soir, stream sur Soma. Je cherche un jeu d'horreur. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Je l'ai entreaperçu en lisant sur un canard PC. Je crois que c'était le dernier. Et je cherchais qu'un autre jeu qui puisse éventuellement me procurer les mêmes sensations qu'Alien Isolation que j'avais beaucoup aimé l'an dernier. Voilà. Salut Adrien. Salut Yeager. Salut Bominops. Et salut à ceux qui ne sont pas encore connectés ou qui ne sont pas connectés tout simplement. Voilà, donc je vous prie d'abord de m'excuser, je suis malade, enfin je suis en fin de maladie, mais je tousse comme un dératé. J'ai voulu me prendre un thé avant de me mettre à causer, et mon sachet de thé a pété. Je l'ai bu quand même, mais bon. Donc on va se lancer, je coupe le son, 2 minutes du jeu pour pouvoir éviter, enfin pour éviter que ça nous explose aux oreilles. Et faire les réglages comme il se doit. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que ça éclaire grandement tout l'écran. J'ignore pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Peut-être faire une correction gamma, je sais pas. Alors, peut-être que la luminosité chez vous a changé, c'est pas impossible du tout. C'est normal, c'est à chaque fois que je lance un jeu, enfin pas tous les jeux, mais certains jeux en tout cas, j'ai un problème de luminosité. Donc voilà, c'est chiant, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui nous empêche de jouer. Mais je crois que pour les besoins du stream, je vais baisser un peu la luminosité avant de le lancer. Rendu élevé, oui. Qualité texture élevée, gamma. On va peut-être baisser un peu l'ensemble. Oh! Bah voilà. Retour. Appliquer les modifications. Hop. Sélectionner une région. En espérant que c'est pas planté. Hop là! Je vire le texte, je remets le son et on se relance. Voilà, Soma. Donc je l'ai vu sur un canard PC. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai vu aussi sur il me semble que j'ai vu un article sur extralife.fr, mais je suis pas sûr. Enfin bon, bref. Si ça marche bien ce soir, j'ai bien envie de faire un stream du jeu entier, donc par petite session. Donc là on peut considérer que là c'est la session première, et puis bah, j'essaierai d'être régulier si ça plaît. Voilà, donc dites-moi là si tout va bien pour vous, si vous entendez bien le son à la con du titre du jeu, et si vous m'entendez bien, parce que ça me ferait un peu chier qu'en plein milieu de stream on me dise ah, on t'entend plus. C'est triste. Hein? Soma is what they would take when hard times open their eyes. Ok. Ok, ok. Soit. On va se lancer. J'ai pas lancé le jeu, comme vous le voyez. Je l'ai acheté il y a 2 semaines. Et puis... Je voulais le faire avec Bohemian Raps, mais... Vu que...
vu qu'on est un peu séparés géographiquement en ce moment. Bon, déjà, il commence par une citation de Philip K. Dick, c'est pas mal. J'adore cet auteur, qui est l'auteur de Blade Runner, par exemple. D'accord. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Hinch? Why is there never enough time? For what? Donc, accident de la route. Ou pas. Bon, il paraît que selon Canard PC, c'est hyper propre. Moi, j'aime déjà pas les traîner, hein. Soyons clairs. Bon, la sensibilité de la souris est à chier. Peut-être falloir que je règle ça. On va déjà voir comment ça va faire maintenant. Bon, apparemment le mec il a eu un accident de bagnole, il se sent pas très bien, c'est pas en ZQSD, ça c'est casse-couille. Voilà. Allez. Alors. Bon, je regarde un peu. Alors, je vais jouer sans doute comme j'ai l'habitude de jouer moi. Hein. Donc, c'est totale découverte et je vais prendre mon temps. Donc, je terminerai le jeu en un certain nombre de streams, je pense. Je sais pas combien. On peut activer la spiro. On peut ouvrir le four. Ah d'accord. Ah oh, bah c'est un peu comme à l'amnésie, tiens. Non, c'est vrai, c'est les textures sont... C'est pas des grandes textures, mais ça va. Des clés. Une lettre. D'accord, mais encore. Ça souffle, ça... Ah ouais, ça se joue comme un amnésia, c'est marrant. C'est aliasé. Un peu. Alors. Monsieur Gérard, je suis ravi d'apprendre que vos maux de tête sont moins fréquents. Vos derniers examens montrent que votre cerveau récupère progressivement. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les éventuelles séquelles. Ce qui est sûr, c'est que les saignements vont se poursuivre au cours des prochains mois et que vous devez faire quelques jours à l'hôpital afin de drainer la cavité et d'empêcher le sang de faire monter votre tension. Dans la mesure où un stress excessif pourrait vous être fatal, je vous ai fait une ordonnance de prazosine pour vos cauchemars. Veuillez lire attentivement les indications et respecter la posologie.
Ok. Bien. Oh là là, il y a plein de trucs à lire. Au cas où vous l'auriez oublié, je rappelle, je ne viendrai pas travailler demain car j'ai rendez-vous chez le médecin. Essaie d'arriver à l'heure pour voir le magasin, pour s'assier déballer les cartons rangés derrière le comptoir, car il commence à devenir encombrant. Oui, oui. Ah, vous voyez, là, déjà, un truc que j'aime bien, c'est déjà, c'est... Enfin, que je préfère, en tout cas, dans Alien Isolation, c'est qu'ils mettent pas 30 ans à poser le truc, quoi. Là, on est déjà à un message, quoi. C'est... Bon, hein. Oh ! Salut Antoine H, comment tu vas, petit chérubin ? Salut Fallen 51, salut Megadeuf, comment ça va ? Soyez les bienvenus, je viens juste de commencer le stream. Et je tousse. Donc là, je cherche un truc qui... Enfin, je cherche un truc pour le cerveau. Oh putain. Et il paraît que c'est sous l'eau, et vaut mieux parce que c'est dégueu. Hein. Ah putain, ah c'est laid. Ah, c'est laid. Bon, ok. Donc là. Je crois que je peux même pas. Ah si, d'accord. Oh là là. Pour afficher un texte, utilisez clic gauche. Ouais. C'est super. Pour la migraine, repose-toi dans ton lit. Bah oui. Oh, il y a du GameWorks sur ce coussin. Ça, c'est une sacrée feature Nvidia. C'est quoi ça? Oh, ça casse pas. Et je vais quand même pas être bloqué par un putain de colorant de merde. Ah d'accord. Il faut me dire où est la salle de bain, moi je le connais pas. Hein. Ah c'est mieux quand même. Alors. On peut pas faire pipi. Bon. Tant pis. On peut prendre une douche. Oh dégueulasse, il va chez le médecin sans prendre sa douche. Merde. Tu peux sortir de la chambre? Bah oui, mais en fait, il faut que je... Il me faut... il me faut un contraste à la con. Alerte fromage blanc. Oh, c'est dégueulasse. Tu veux voir ma bite, nounours? Non, nounours. Oh là 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 là. Mais tout ce que je récupère, c'est des vieux journaux de merde, j'en veux pas. Mais c'est fantastique. Oh. Salut Double Cheese. C'est passionnant ce que je suis en train de faire. Je suis en train de chercher un produit de contraste. Et le mec, en toute logique, n'a pas décidé de le mettre ni dans le frigo, ni dans sa salle de bain. C'est vraiment très intéressant. Sérieux, ce mec a des sérieux problèmes. Ah bah putain, il l'a mis avec les assiettes quoi. Oh tiens, j'ai acheté un produit de contraste à la pharmacie, ici je le mettais avec le vaisselle. C'est très logique. Allez, bois. On dirait du lait, mais ce goût, c'est imbuvable. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mec.
Excellent, ce sperme. Ouais. Une sale nouvelle. Bon, comme dans tous les jeux, je viens de me lever, je peux pas m'habiller. Par contre, je peux prendre cette chaussure et là... jeter. Ça, c'est pas mal, hein. Sincèrement, j'aime bien. C'est complètement gadget, mais bon. Ouh. Allez, on va chez le médecin. Oh là là, ça va être très intéressant, là. Oh, je le sens. On dirait du détergent, la taille. Ouais, mais il vient de dire qu'il vient de boire du sperme. Ah oh, putain, la vache, sa porte, elle donne directement sur le trombé. Et ça rame, en plus. Ouais, ouais, c'est l'influence amnésia, ouais. Oh là là, Jesse le grimoire. Je fais comment? Ah. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time. Work in the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well. Yeah. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well. Il y a une blonde dans le train et tu préfères répondre au grimoire. Bah écoute, tu le sais, petit chérubin, mais je crois que les blondes n'aiment pas. Oh, le mec, c'est un geek, il t'en veuille à la Fnac. C'est quand qu'on a peur, s'il vous plaît? Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il y a des gens qui regardent mon stream. Alors, si c'est pour que le mec, en fait, il aille juste faire un scanner et puis qu'après il retourne au boulot, bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je peux faire pareil. Sauf que je ferai un scan de ma bite. Oh putain, ça donne envie. Mec, déjà, il veut pas que les pouilleux s'assoient sur son Louis XVI. Ah, il s'est planté, hein, c'est pas possible. Non mais attends, le mec il s'est planté, c'est pas possible autrement. Tranquille, je vais regarder dans les PC des gens que je connais pas. Ah, il est... Paul, bah, il est parti faire caca chez lui, qu'est-ce que tu veux? On a quelques heures devant nous, j'ai pris contact avec Simon Jarrett, on va le faire. Vous allez faire quoi? Déjà qu'il a bu du sperme, faudrait peut-être pas le... Hein? J'ai vu ton ordinateur portable à la réception. Tu es déjà là? Appelle-moi dès que possible. Oh putain, on n'est pas sorti là. Bon. Non, non, il s'est planté, c'est pas possible. Hein. C'est pas chez un médecin. Hein. Ou alors, un médecin qu'on voit dans les journaux, genre, il refait les seins d'une fille avec du ciment, ou je sais pas. Ou qu'est-ce que c'est que cette horreur hein. La dernière fois que j'ai vu des bâches comme ça, les gens autour de moi jouaient avec du caca. Attention, me faire rire, c'est faire tousser. Simon Jarrett, mais le mec responsable des noms était drogué ou quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Scanner Simulator. Non, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui bosse à la Fnac et qui a eu un accident de voiture et du coup, bon, il a mal au crâne, quoi. Ah bah non, à moi, tu t'es planté. Non, j'appelle pas. Je m'en fous. Ah non, je m'en fous, j'appelle pas. Hein, là, je fais hashtag je suis Charlie. Voilà. Dr. Munchie,
Can you hear me? Hello? Alright, we need a code. Bon. Logiquement, les codes dans les jeux vidéo, c'est sur les PC. Hein. Mmh. Oh. Attends, le mec, il a eu un accident de voiture, mais... Oh. J'en suis sûr. Ou alors page 56. Ah, c'est combien le code déjà? Ah, 2501. Je me demande si... Ah non, ça marche pas. Oh là lol, c'était dur. Hashtag je suis un hacker. Charlie Dudo. 69, 69, 69 dans les corbeilles. C'est très restreint, hein, les 69 dans les corbeilles, je voudrais pas dire. Pour courir, appuyez sur Shift. Putain, c'est moi qui fais ce bruit-là en marchant? Putain, c'est... je me fais flipper moi-même. Bon. J'ai presque oublié que c'était un jeu d'horreur, hein. Non, ça c'est pour quand on commencera à jouer pour de vrai. Ah ouais, carrément. Donc soit le mec derrière a la méga chiasse, soit il y a une bombe derrière. Oh. Non, je vais pas là, je m'en fous. Non, en fait, je vais voir. Voilà. Mmh. Mais comme c'est intriguant. Je crois que Fallout 51, il voit ça tous les jours. Ça valait vraiment le coup de faire un climax avec ça. Non, il n'y a personne, mais bon, les mecs, ils font des scanners. Il y a une seringue. Tiens, je vais la mettre là. Oh là là, il manquerait plus qu'on puisse pas voir dans les rétros. 4 sur 10. multiprise. Bon, bah c'est bien. C'est fabuleux. C'est quoi ça? C'est dommage, hein. On a un système un peu de physique comme ça et on peut même pas retirer les prises. Non mais lol, quoi. Je ferme cette porte. C'est nul. Je commence déjà à avoir peur, moi. Ah mais... Autiste. Alors moi j'ai pas envie de dire, mais... C'est suspect. Oh cool, on va être dans Total Recall dans 2 secondes. Le mec ici, Philippe Kadic, s'il fait pas Bioshock, Bioshock sous l'eau, enfin Bioshock en jeu d'horreur, je sais même plus ce qu'il a dit. Bon, on s'en fout. Il est pakistanais, ça se voit. Non, je vais pas, je vais rentrer chez moi. Allez, au revoir. Non, non, mais c'est bien, allez, j'arrête. Non, mais hé. Hey.
program will help the iterate until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment. Pourquoi quand il y a de la science, c'est un Asiate ou un Indien? Ou alors le médecin de France 5, ça dépend. Michel Simès, c'est ça. Casse Didi. Oh, ça va être trop dark dans quelques minutes, je le sens. Oh, comme il tape sur des touches. Oh lol. Fin du jeu. Non. Thought cameras would steal their souls. That's so. Let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Vous connaissez la différence entre un bébé et une bite, Michel Simès? Oh là là. Oh, je suis effrayance. Hello? Mr. Mucci? Did something go wrong? Non, il y a des QTE cachés et tout là, c'est marrant. Ah, bah voilà. Là, tout de suite, on s'y retrouve. Ne jamais faire confiance aux médecins issus de la diversité. Bah, des mecs qui ont des sièges un peu bizarres et puis qui sont un peu tout seuls à faire leur truc dans leur coin aussi. C'est mon pathos, tu comprends? Oh là là, c'est avec un truc comme Stalker, là. Mais chute, toi. Insérer l'Omnitool pour accéder au système. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ma bite l'Omnitool? Ah! Console de service, programme d'installation de puce d'Omnitool. Construisez, modelez et optimisez votre Omnitool. L'Omnitool! Avec des outils et assistants entièrement personnalisés. Non, je disais Stalker par rapport à la vraie fin du jeu, la conscience B ou la conscience 2. Et qui voulait faire un rapprochement avec le pathos. Enfin, c'est un peu philosophique. Donc, moi, je lis pathos tout de suite, je pense à la philosophie. Bah, ça n'a sans doute rien à voir avec Stalker. Bien! Donc il faut que je cherche un Omnitool, si j'ai bien compris. Parce que ça n'est un outil multifonction. Bah, moi, je sais pas, hein. Moi, des fois, je me tartine du fromage avec ma bite. Hein. Quand t'as pas envie de trop te faire chier, c'est pas mal. C'est flippant, ça. Non, je dois quand même reconnaître que les textures sont sympas. C'est pour la folie, mais ça va. C'est moi ou il y a un mec qui s'est fait déchirer par terre? Je suis donc bloqué.
Ça casse pas trois potes à Julien Chiez. Vous aurez remarqué que je fais aussi chat chat vocal. N'hésitez pas à envoyer vos messages, je les lis à haute voix. Je me demande si. Ah bon, bon. C'était quoi ça, putain? Bon. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, parce que j'avoue, je ne sais pas trop quoi faire. Bon. Bon, bah, il y a de l'ambiance. Je sais pas trop ce que j'ai activé, mais... Vite pété, pourtant t'étais pas dans les chiottes. C'est une très vieille affaire, monsieur. Très vieille affaire. Cool, il y a du bullet time sur les dialogues, c'est fantastique. Oh. Bon, je crois qu'au bout d'un moment, il faudra que j'arrête de lancer des trucs parce que c'est tout de même un jeu d'horreur. Putain, cet aliasing. On sait jamais. Même s'il y a des bugs sur l'écran. Et je sens le jumpscare à deux balles, mais bon. Je sens mal. Yeah,
Bien. J'aime pas trop ces bruits-là. Hein. Pourquoi il y a la porte ouverte? Je l'avais fermée. Bon, attendez. Ah putain. Ah si, on peut sauvegarder, mais il faut quitter. F5, si je fais F5. Non, ça ne marche pas. Bon. Donc il semblerait que le jeu soit orienté sur la robotique. Donc c'est pas des extraterrestres mais des robots. Toi je t'aime pas, tu vois. Mais alors genre je t'aime pas du tout. Ah! Non mais le mec, est-ce qu'il avait à avoir un accident de voiture aussi? C'est quoi le blob? J'aime pas ce genre d'aide qui présage rien de bon. Bah non, moi non plus. J'aime pas du tout. Genre, appuyer sur contrôle pour vous accroupir, vous serez moins vu. J'avoue, je suis pas fan du tout. Ah! Oh putain. Oh ce que j'ai pris les enfants. Bah je sais pas. Alors comment fabriquer ton Omnitool? L'Omnitool est une interface. Notez que l'introduction d'une IA supplémentaire écrasera l'intelligence intégrée. L'emplacement auxiliaire est un multicore connecteur adapté à une large gamme de puces outils comme les modèles AA, A2 et Juicy. Juicy. D'accord. Faisons comme ça.
Alors vous savez, quand il y a un son comme ça, je suis devant un cadavre, généralement j'ai pas trop envie de me retourner. Ou me retourner comme ça. Sacré Hubert. Exactement. Bon. Bonsoir, Couchotte. Tu gambades dans les bois, petit poney. On va attendre qu'il ait fini de se fâcher. C'est vrai que le dernier match de rugby de l'équipe de France n'était pas fameux, mais ça vaut peut-être pas le coup de s'énerver comme ça. De quoi surpuissant le micro? Non, c'est juste que le micro, il est à côté du clavier. Et mon clavier est un clavier, comment que ça s'appelle? Merde. C'est un clavier... Non, bref, c'est un clavier avec des touches qui font du bruit. Donc là, je peux mettre mon balai. Bon, bon. Exactement, clavier mécanique. Merci, Couchotte. Souris de merde, c'est une G700. On sait pas que je veux pas, mais... Il y a pas de lumière. Ouais, ouais, c'est le début. Et genre, je suis déjà bloqué tout ça, là. Un câble d'unité avec des éclairs, touchons-le. Exactement, c'est ça. ça sent le jeu à aller-retour, ça. Ah,
Je vais retourner au premier truc Omnitool que j'ai vu pour voir. Je sais pas si je devrais faire ça, mais bon. C'est ça. Ah d'accord. Je remets mes lunettes. Donc il y a une sorte de robot qui me bloque carrément le passage là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un Daft Punk là-bas. Les robots attendent toujours le tartinage de cheese avec ta tub. Est-ce que je vais à sa rencontre ? C'est un robot ou c'est un... C'est de l'occlusion ambiante en fait. Ouais, mais y a rien en fait. Ah merde. J'ai entendu ça. Ouais, moi aussi, je suis un peu déçu aussi. Ça avait l'air assez flippant au loin, là, une sorte de... Ah mais c'est un autre endroit, en fait, carrément. Moi non plus. Alors je vous explique pourquoi je fais demi-tour comme ça. Je préfère faire du moonwalk que de me retourner. Ouais, ça avait l'air sympa, hein. Non mais je vois que de là. J'ai juste fait le tour. Non, je suis pas une tata. Oh non, je termine Alien Isolation en super difficile. DLC compris. Je suis un bonhomme. Je suis pas un enculeur de maman. Moi j'adore quand même ça, hein, les jeux vidéo où tu tournes pendant une heure pour essayer de savoir ce qu'il faut que tu fasses. Bon, j'avoue très clairement, je sais pas trop quoi faire. Il fait nuit. La lumière s'est coupée. Je ne vois rien.
Je vois des lumières. Toutes les plus flippantes les unes que les autres. C'est quoi ça? Hein? Quoi? Oui? Bon. Y a pas une lampe torche ou... Non, parce que là c'est grave, hein, on voit rien du tout. Je me souviens qu'on peut mettre un WAD aux étoiles de mer. C'est... Oui. C'est fantastique, je ne vois rien, donc... Comment voulez-vous que... Hein? Voilà, je viens de là. Bon, j'ai pété la vitre, hein, on est d'accord, ça ne sert à rien. Moi, je veux bien lacérer l'omnitol, hein. Ah! Essaye de mettre ton bois d'un peu partout. Je sais pas ce que j'ai chopé. En une crève, c'est sûr, mais alors le reste. Ça me rappelle Routine, le jeu qui devait se passer sur la Lune qui sortira jamais. Ouais, il paraît, sur un Canard PC, il disait que ça faisait pas si peur que ça.
Oh putain, j'ai l'impression que je mets à jour mon PC. Bon bah c'est bien. J'ai mis à jour mon iPhone. Allez, je m'en vais. Ah mais ça y est, je l'ai fait ça. Voilà, je vais à mon destin là. Poser. C'est pourquoi. Non, bon, ça va, j'ai pas trop peur. Oh. Bon, en tout cas, je vais me remettre un petit coup de fouet. Oh. J'aime bien ces jeux où il faut jouer accroupi. Oh ouais, c'est pas mal. Je peux pas fermer ? Bon. Bon. Bah je suis sous l'eau, hein. Ouais, c'est dégueulasse, je crois que je vais l'enlever. Le mec a quand même fini Far Cry en étant accroupi tout le long. Qui c'est qui a fini Far Cry et accroupi tout le long? Moi non, hein. Ouais, autant pour moi, je vais refaire ça. Moi j'avoue c'est quand même pas tip top hein. Oh des artworks. C'est pour être prêt en train de caca éclair. Oui tout à fait. T'en as la chia, c'est rien de mieux que de rester accroupi. Bon. Oh. Que va mettre que hein? Bah, que va.
Bon, mais j'ai remarqué, je suis dans la merde, c'est bien. Oula, oula. Quoi? Mais putain, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, cette merde encore? Je mets des doigts dans des méduses maintenant. Mais à Wad. Je simule le gars qui rampe. Oh, c'est réaliste. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh, qu'est-ce que... Hop. Coucou. Bon, qui veut un WAD? Je répète, qui veut un WAD? Ah merde, j'avais pas remarqué. Il y a un robal. Ah, il y a quelqu'un qui veut un WAD. Attends, hop. Attends. 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 De quoi? Ah ouais. Donc alors. C'est une radio bloquée, puissance insuffisante. Ne touchez pas à la fuite de gel. Impossible de confirmer son effet sur le wow. Programme a été signalé par l'IMS Volchek. Ok. Comme tu veux. Mais c'est passionnant tout ça. Il faut à quel point je suis passionnant cela. Barf. Station contrôle.
Bon, en même temps, je les comprends, hein. Si c'est pour passer du D-Fool, c'est moyen. Bah ouais, je veux bien, ouais, mais il est où le générateur? C'est ça? C'est le truc où il faut mettre des WAD? Avec les barres jaunes, ouais, d'accord, mais... Ah! Il faut mettre des WAD là. Je me suis connecté à AOL. ...3600 tours minutes, c'est vraiment nul. Salut Antoine. Hello, is there anyone there? Hey, hey, can you hear me? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you? Oh, so damn relays. Hmm. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Ok, ta mère. Bien. Non, on se croirait pas du tout dans Total Recall. ...143 jours d'interruption. C'est suspect. Remarquez, il vaut mieux être suspect que lèche-cul. Bon, je vais marcher avec Swagance. Oh! Ah bah dis donc! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Arcane!
Izu. Oh. Je vais mourir. Oh, je suis foutu. Ah, c'est tout? J'ai une seconde chance, genre... Ah mais genre... Ça le prix. Ouf. Bon. Bah je suis blessé. Je dois avoir la bûche de péter, je me suis pris un coup de boule. L'ennemi a popé à 20 000 km après m'avoir foutu un coup de boule. C'est pas très flippant au final. C'est juste le coup d'adrénaline à la fin, c'est sympa. Bon, il me faut des premiers soins SVP. Processus de confinement lancé. Consultez le terminal pour plus de détails. Bah, voir mon kawa, moi. Ah quoi, oui. Ça sent l'énigme. Non, j'aime pas ça. J'y vais pas maintenant. Thank you.
Ok. En tout cas, il y avait de l'ambiance, c'est certain. Carthage Industries. J'aime bien les références sans aucune subtilité. C'est trop dark. On cite la... On cite des références grecques. Moi, j'attends le site scientifique Tsipras. Alors, j'avoue... là... je trouve que toutes les références grecques ne sont pas assez contestataires. Bon, il y a cette sortie-là qui a l'air sympa. Mais sinon, il y a ça que j'ai pas encore... Bon, les robots parlent. D'accord. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. If you see any others, just let them know where I am. Okay. C'est un peu flippant, mais c'est un thème que c'est un thème assez récurrent chez Kadic. C'est sympa. J'aime bien cette conversation. On dirait un trip sous LSD. Ken Carl. Alors, faut que je lui dise qu'il est mort. Allez, où la poulette ?
Je cours en boitant. Il a plus ses yeux là, le cadavre. Bah, je sais pas trop là. Bien. Garde les yeux ouverts. Mais j'ai les yeux ouverts. On peut mettre des wads là-dedans. Ah bon, tant pis. Appuyons. Oui. Non, je vois pas trop. Il y a du bordel. Theta, faites demi-tour, nous avons condamné Epsilon pour assurer son fonctionnement, ne faites pas de bêtises. Adzaro, parfum pour l'homme. Donc là, j'ai appuyé sur le bignou. Ça ne fait rien. Oh, vous voyez, ce genre de choses-là, je suis pas un grand fan. Parce que c'est clairement pour quelque chose, ça, par exemple. Plus bas, il y a quoi? Ouais. Bon, faut que je trouve un truc. Je m'en fous de ça, c'est déjà vu. Je parie qu'à la fin tu découvres que t'es qu'un bot. Ouais, sous Windows XP. Ça serait marrant. En vrai, ça serait bien trouvé. J'aimerais bien.
A, B, C, K, R, L. J'ai essayé de faire comme si c'était un cadran de portable, mais non, ça marche pas. Oh, j'avoue, je suis pas... Ah oui! C'était quoi son idée? Non, c'est pas ça que je veux. 0722. Merci. Alors, Ether Vault Check. Production d'énergie stabilisée, nous avons condamné les usines pour faire tourner la centrale. Tous les systèmes superflus ont été désactivés. Si quelqu'un revient un jour, sachez que le régulateur de puissance ne tient qu'à un fil. Si vous actionnez le commutateur, vous ne pourrez sans doute pas faire marche arrière. Je suis là. Voilà. J'ai activé le truc. Semblerait que ça fonctionne. Nous avons surchargé le système. Si vous actionnez le levier, vous ne pourrez pas faire marche arrière. Allez, on met des doigts. Oh. Allez, on dilue vite. Et on attend. Je sais pas ce que ça va faire, mais bon. Ça a pas l'air d'avoir fait trop de grabuge. Bon, hormis que maintenant on est tous dans le noir, mais bon. Yeah.
Alors tu viens connard ou quoi? Quand tu veux mec. Bah alors l'enculeur de maman il vient ou bien? Oh putain, ça y est, il m'a vu. Non mais je reviens vraiment quoi. Ah, allez, putain. Ben, je sais pas, me faire poursuivre par un robot ignoble. Saloperie, putain. Non, mais... Bah c'est pas que je veux pas retourner sur le PC, c'est qu'il y a une honneur qui me poursuit. Mais il faut vraiment que je la piste ou... Ça fait quelque chose. Non. Genre ta gueule? Non, je pense pas.
fait, je dois avouer que je vois pas grand chose. Bon, en fait, le mec il s'éclate un peu tout seul. Je pense qu'il y a des robots qui sont pas, on va dire, égaux en matière d'isolement. Ah putain. C'est ça qu'il fallait faire. Lequel avec l'étoile de mer? Il fait un bruit dégueulasse, putain. Quel levier ? Ah, sur le PC. Soit il est très près. Ah, c'est dérangeant le bruit qu'il avait. Ah! Ah!
Oui, merci. Si tu pouvais t'en aller avant de me refrapper. Merci. Non mais en fait c'est tout ce que tu fais en fait. Tu ne fais que frapper. Ah d'accord. Ouais, je suis roulé en boule. Prêt à me faire enculer. Ouais, en position latérale de sécurité. Onche, onche, en bois du punch. Norage. Bien, bien. Oh, c'est le moment. Allez, hop. C'est là qu'on va réactiver Karl de mon cul, là. Allez. C'est chiant. Bah ouais, on dirait bien, ouais. Putain, il en fait du bordel. Mais j'avoue, je sais pas trop bien ce qu'il faut faire là. Faut que tu ailles au centre de communication. Oui. Ah oui. L'escalier. Putain. Voilà. Bon. Je suis à 2h06 de live. Et c'est enregistré. Alors, je vais arrêter là. Pour maintenir le suspense, vous voyez. Je vais sauvegarder et quitter, on va revenir sur le théâtre, sur le... Oui. Je vais juste vérifier que je peux le recharger. 22h46, ça correspond à l'heure. Parfait. Hop là. Quand tu veux. Voilà.
Bon, alors, pour ceux qui sont restés, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis. Est-ce que faire un stream du jeu en entier vous intéresserait? Parce que moi, je suis plutôt chaud. Le jeu est pas trop mal, malgré ce que j'ai pu dire en introduction. Il a pas l'air inintéressant. Il ressemble un peu à Alien Isolation. Et je suis curieux. Je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Après, je suis un peu déçu que l'ennemi, là, ne fasse que nous blesser. Mais il y a du potentiel. Clairement, à mon avis, le jeu va être plus violent au fur et à mesure. Donc voilà. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que je dois continuer? Ou vous seriez intéressé de continuer? Ou éventuellement, j'arrête. Donc voilà. Moi, je suis bien tenté de faire une suite. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense que je continuerai donc une autre session. Demain soir, ça me semble compliqué. Vendredi soir aussi, ce week-end aussi. Donc, la semaine prochaine, sans doute en début de semaine, lundi, mardi, je ferai une deuxième session de Soma. Je pense qu'une session par semaine, ça peut être sympa. Pour le moment, je pense que je pourrais accélérer une fois que j'habiterai chez moi. Sinon, un stream par semaine de 2 heures en moyenne, ça peut être bien. Voilà. Donc si ça vous a plu, moi ça m'a plu. Peut-être que je vais refaire un autre jeu là. Je vais couper le stream et je vais en relancer un autre. Et je peux vous proposer un autre jeu si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai d'installé? En tout cas, j'arrête le stream là pour Soma. Et puis on se reverra la semaine prochaine pour un nouveau stream.